Plus de 20 ans après les derniers amendements de certains textes portant sur le fonctionnement et l'encadrement de l'enseignement supérieur, un projet de loi innovant sur les aspects professionnels de l'enseignement est défendu devant les membres de la Commission de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse de l'Assemblée nationale ce 15 juin 2023. Le triptyque assurance qualité, professionnalisation et numérisation des enseignements, employabilité des diplômés est consacré par ce projet de loi. Certaines dispositions du projet de loi en étude autorisent les universités à créer des entreprises pour maximiser leurs ressources. Les ressources des universités sont limitées aux droits universitaires, sont limitées aux subventions de l'État, subventions d'investissement, subventions de fonctionnement et aux emprunts. Les emprunts, cela a été ajouté en 2005. Maintenant, la loi, si elle est adoptée, si elle est promulguée, permet donc aux universités d'accroître leurs ressources propres grâce aux entreprises que ces universités vont créer. L'enjeu est de rendre des produits issus des universités compétitifs sur le marché de l'emploi. Le projet de loi prévoit le statut d'étudiant entrepreneur. C'est-à-dire que vous êtes étudiant dans une université, une faculté ou une grande école, et vous avez la possibilité d'être initié à la création et à la gestion des entreprises. L'avenir des universités partant des étudiants camerounais est alors entre les mains des députés de la nation qui doivent donner une impulsion nouvelle en examinant et adoptant ce projet de loi avant sa promulgation par le président de la République.